Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, bienvenue à votre cadre, un cadre d'échange, votre cadre des débats, votre cadre de partage sur ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Trop de sujets, beaucoup de sujets qui défrayent la chronique ces matins au pays de Patrice Emery Lumumba, le professeur André Mbata de l'UDPS remplace Jean-Marc Kabound à l'Assemblée nationale, au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, un membre de l'UDPS qui obtient évidemment ses postes du premier vice-président au remplacement de Jean-Marc Kabound. C'est par ici que terminant bien évidemment les feuilletons Jean-Marc Kabound au sein de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce jour au Katanga, à Lubumbashi, justement pour essayer de colmater les brèches par rapport à cette montée en puissance du tribalisme de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, principalement entre la population katangaise et la population kasaïenne. Le chef de l'État est allé justement pour accorder les violents entre ces deux populations, la population katangaise et la population kasaïenne. Le propos de Gilles Alinghetti, qui est chef des services à l'inspection générale des finances, IGF, là où il est actuellement aux États-Unis d'Amérique, des propos qui suscitent vraiment des réactions de part et d'autre. Est-ce Gilles Alinghetti avait-il raison de se prononcer par rapport à la sécurité du pays? Est-ce que Gilles Alinghetti était-il dans son rôle, était-il dans ses prérogatives de dire toutes ces déclarations? On en parle ici avec vous. Et puis on va essayer d'aborder avec vous le 1 an de gouvernement de l'Union sacrée de la nation, le gouvernement Jean-Michel Samba Loukonde. Est-ce les prérogatives, les missions assignées par ces gouvernements ont été exaucées, ont été appliquées pendant ces premières années de ce gouvernement dit de l'Union sacrée? On en parle avec vous de Congo Live Télévision. Je vous dis, ici on est dans un cadre d'échange, dans un cadre de partage, dans un cadre de débat entre moi et vous qui nous suivez de partout à travers le monde, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Suisse, en Norvège, en Bruxelles, en Pologne, à l'Ukraine, mais également à Russie. On est là avec vous dans ces cadres d'échange et ces cadres de partage. Premièrement, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, comme je vous l'ai annoncé, le feuilleton dans l'affaire Kabound ou les feuilletons Jean-Marc Kabound est enfin terminé. On peut conjuguer Jean-Marc Kabound au passé désormais parce que son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale est désormais occupé. Ce n'est plus un poste vacant où il n'y a personne, mais ce poste est enfin occupé. Et occupé par le professeur constitutionnaliste, le professeur du droit André Mbata. Le professeur André Mbata qui est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Le professeur Mbata qui, au cours de la plénière qui s'est déroulée avec toute transparence, une plénière qui s'est déroulée avec une démocratie comme pas pareille, le professeur André Mbata a obtenu plus de 400 voix sur les 500 requises au sein de l'Assemblée nationale. C'est un meilleur score jamais réalisé dans des élections, dans des plénières électives au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il y a eu le membre du pouvoir qui ont voté pour André Mbata, il y a eu le membre
de l'opposition qui ont voté pour André Mbata, même les résistants se trouvant au sein de l'Assemblée nationale, et tous ont voté pour les Français André Mbata. Cela prouve à suffisance la personnalité de la personne qui, aujourd'hui, il y a unanimité même au niveau de l'Assemblée nationale. La compétence de la personne, l'intégrité de la personne qui n'est rien qu'un cadre au sein de l'UDPS, Tshisekedi Tshilombo, il y a certaines langues qui disaient que UDPS n'a pas de cadre à présenter, que UDPS, le militant ou les combattants de l'UDPS ont passé 37 ans dans l'opposition pour ne pas se préparer à diriger ces pays, pour ne pas se préparer à occuper des postes de responsabilité, des postes décisionnels dans ces pays. Mais on se rend compte qu'avec le professeur des universités, André Mbata, l'UDPS a prouvé à la face de l'opinion qu'il y a des potentialités au sein de ce parti politique. Il y a d'énormes potentialités au sein de ce parti politique. Donc ça ne sert à rien de minimiser, ça ne sert à rien à taquiner l'UDPS. L'UDPS a de potentialités dans son parti politique, en l'occurrence le professeur André Mbata. Est-ce avec le professeur André Mbata qui aujourd'hui remplace Jean-Marc Kabound à ses postes de premier vice-président de l'Assemblée nationale, il y aura équité, il y aura transparence, il y aura la démocratie, parce qu'il y a plusieurs personnes même qui aujourd'hui, l'Assemblée nationale est dirigée de façon peu orthodoxe, est dirigée avec une dose de la dictature, la liberté d'expression, la liberté d'opinion n'est pas prise en compte. Est-ce que André Mbata vient enfin bouger les lignes au sein de l'Assemblée nationale? André Mbata vient-il bouger, changer les donnes au sein de cet hémicycle? Espérons qu'avec le professeur André Mbata qui est de l'IDPS, c'était un choix judicieux du chef de l'État, un choix judicieux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'on a contraint Jean-Marc Kabound à démissionner de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, point n'est besoin de vous rappeler le parcours, les circonstances qui ont prévalu à ce que aujourd'hui André Mbata soit désigné comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound, après intercation, après ses tweets, après ces tweets dévastateurs, après tous ces mondes, tous ces politiques qui ont eu de l'air temps pour parler avec Jean-Marc Kabound, Jean-Marc Kabound a fait sourd oreille pour ne pas écouter les combattants même qui se sont rendus à sa résidence dans la commune de Limité, précisément au quartier Kinkabwa. Après cela, la base de l'UDPS a désavoué Jean-Marc Kabound. Il y a eu de désavoués dans tous les différents districts, dans toutes les fédérations du parti politique. UDPS, et puis après ces triumvirats, Jean-Marc Kabound a été radié au sein de l'UDPS Tshisekedi. Jean-Marc Kabound ne peut plus porter ce drapeau, le couleur de l'UDPS. Il est avec son parti politique, décision finale. Jean-Marc Kabound est à l'Assemblée nationale en tant que député national. Il va essayer de défendre la population, principalement sa base du Moamba. Cette base qu'il a portée comme député national, qui était d'ailleurs les députés qui étaient le mieux élus du Moamba.
Il va désormais défendre autrement le pays, mais sans pour autant compter à l'UDPS, sans pour autant compter à ce parti politique de Sphinx, Étienne Tshisekedi Vamudumba, qui aujourd'hui, Félix Tshisekedi, est au pouvoir après 37 ans dans l'opposition, 37 ans de galères, 37 ans de souffrances, 37 ans de sacrifices. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République. Nous voulons de cette Assemblée nationale qu'il n'y ait pas des escalades verbales comme on l'a vécu récemment avec Mbosso Kodia et le député de l'Élysée Sama. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui les députés nationaux de l'opposition puissent claquer la plénière parce qu'il y a mésentente, parce qu'ils estiment que leur voix n'est pas prise en compte au niveau de cette institution. Nous voulons d'une Assemblée nationale crédible, d'une Assemblée nationale où les députés exercent véritablement leur rôle, où les députés nationaux arrivent à voter de lois qui sont en faveur de la population, de lois qui favorisent le bien-être social du peuple congolais. Donc les feuilletons Jean-Marc Kabunda, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live et Télévision, est désormais conjugué au passé. Donc nous conjuguons Jean-Marc Kabunda au passé au sein de l'UDPS, au passé au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, parce que cet homme qui est le professeur André Mbata, nous osons croire qu'il fera la fierté du parti politique UDPS, ce parti de Félix Antoine Tshisekedi, qui est considéré comme autorité morale, malgré que lorsqu'on parle du président de la République, le président de la République n'a pas une couleur politique que ce soit, mais c'est un fruit de l'UDPS Tshisekedi. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, est le président de tout le monde. Il n'est pas seulement le président de l'UDPS, il est le président de tous les Congolais. Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais disséminés à travers le monde. Si vous êtes Congolais, vous habitez à l'Ukraine. Si vous êtes Congolais, vous habitez en Pologne, à Bruxelles, en Belgique, en Angleterre, au Soudan. Le président de la République reste le même Félix Tshisekedi, qui est là pour un mandat de 5 ans renouvelable. Une fois si aujourd'hui la population estime que, à travers les actions posées par son gouvernement, à travers les actions posées par Félix Tshisekedi, feront des sortes qu'il soit réélu, tant mieux. C'est à la population congolaise d'accorder cette chance, d'accorder cette faveur. On accorde cette faveur, on accorde cette chance par rapport au bilan. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut clamer haut et fort que les bilans de Félix Antoine Tshisekedi est positif et satisfaisant? Est-ce qu'on peut les dire? Est-ce qu'on peut les déclarer? J'espère que vous qui nous suivez, vous allez laisser vos messages justement, parce que c'est un cadre de partage, hein, comme je vous l'ai dit, dans votre chaîne Congo Live Télévision. C'était là le premier point. Le deuxième point, nous allons parler de cette affaire. Félix Antoine Tshisekedi Wamunga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à Lubumbashi actuellement. Le chef de l'État est à Lubumbashi, dans cette province du Katanga, justement pour essayer d'éteindre le feu. Comme on dit, lorsqu'il y a
altercation, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a problème, on essaye de mettre de l'eau sur nos vins pour calmer cette tension, pour calmer cette montée en puissance de ce qu'on qualifie, de ce qu'on appelle tribalisme. On a remarqué dernièrement qu'il y a eu ces conflits entre Katangais et Kasaïens. Vous avez suivi à travers nos ondes la dernière déclaration de Monique de ces députés d'ensemble pour la République, cher Moïse Katumbi, qui était monté au credo, la dame, pour appeler à la population kassaïenne de rentrer chez eux, pour se moquer de la population kassaïenne de manger les chiens. Des propos qui n'étaient pas condamnés par les ténors d'Ensemble pour la République, les propos qui n'étaient pas condamnés par l'initiateur d'Ensemble pour la République, les propos qui étaient soutenus par certaines personnalités, certaines notables du Katanga. On a remarqué ces mouvements, cette tendance tribale, ces positionnements tribaux. Nous sommes Katangais, nous sommes Katangais. Nous devons préserver notre territoire, nous devons préserver notre province. Il y a certaines personnes même qui vont plus loin pour appeler même à ce que la province du Katanga soit considérée comme un pays. Il y a ce monde qui demande à ce que les Loubas soient rapatriés au Kasaï, à Kananga, Mbujimayi, Chikapa et autres. Est-ce qu'on est Congolais ou on n'est pas Congolais? Pourquoi teaser cette flamme tribale? Est-ce qu'on se souvient des événements malheureux de 1992? Est-ce qu'on se souvient de ces lignes de la mort qu'on a appelées à l'époque? Du fait que Kyungu ne voulait pas des Kasaïens au Katanga? Non, on est en République démocratique du Congo. C'est notre pays. Moi qui suis né à Kinshasa, toi qui es né au Katanga, toi qui es né à Mbujimayi, à Chikapa, à l'Équateur, nous avons le droit de circuler partout si on est au Congo. C'est notre seul pays. Le Katanga n'est pas un pays. Le Kasaï n'est pas un pays. L'Équateur n'est pas un pays. Le Maniema n'est pas un pays. Toutes ces provinces sont regroupées à un seul pays qui est le Congo. Le Congo nous légué par Patrice Emery Lumumba. Le Congo nous légué par Kasavubu. Le Congo nous légué par nos aïeux. Le père de l'indépendance qui ont souffert pour qu'aujourd'hui, nous ayons la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Il est temps de bannir tous ces clivages, des clivages tribaux, des conflits, raison pour laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne les premiers citoyens de tous les Congolais. Le premier citoyen de tous les Congolais, Félix Antoine. Il est au Katanga, non pour dans le cadre du tourisme,
non pour satisfaire les uns et les autres. En tant que père de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Là où bien ça ne va pas, là où il remarque que non, il y a un conflit, là où il remarque qu'il y a un désordre, là où il remarque que la paix est menacée, c'est dans ses prérogatives, dans ses attributions, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, père de la nation. C'est dans cette qualité que Félix Tshisekedi de Tshilombo s'est rendu au Katanga à Lubumbashi. Il est là-bas pour réconcilier ces deux populations, réconcilier ces deux communautés, la communauté kassaïenne, la communauté katangaise. On a un seul pays à protéger, on a un seul pays à protéger, qui est la République démocratique du Congo. On est frères, un Katangais est congolais, un Kassaïen Luba est congolais, un équatorien Mungala est congolais, un Bomatracien qui est Mukongo, Yomé, tout comme ça. Nous tous, nous sommes congolais. Pourquoi cette tendance tribale? Pourquoi cette discrimination? Je peux quitter Kinshasa pour aller travailler au Katanga parce que je suis dans mon pays. Je peux quitter l'Équateur pour aller au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Maniema pour travailler parce que c'est mon pays. On peut circuler librement dans toutes les provinces qui regorgent ce pays. Pourquoi interdire à un Luba de travailler au Katanga? Pourquoi interdire à un Luba de faire un tourisme, de faire un voyage au Katanga? Ces pays, la République démocratique du Congo, du 21e siècle, n'est pas comparable à la République démocratique du Congo du 18e, 16e, 17e siècle. Là où il y avait des esprits conflictigeosels, il faut éviter des conflits. Évitons de s'aimer des troubles. Évitons de créer des conflits tribaux, des conflits communautaires. Ce sont vraiment des choses à éviter. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, comme je l'ai dit tantôt, garant de la nation, garant du bon fonctionnement, père de la nation, le premier citoyen des Congolais, lorsqu'il a entendu cet écho directement, le chef de l'État est à Lubumbashi pour Katangaise, ils doivent vivre en toute harmonie. Vivre en sérénité en tant que frère, en sérénité en tant que Congolais, fils du pays. En cela, vous pouvez interdire. Moi, je suis Congolais, je me déplace, je vais en Belgique, je mets au monde un fils qui rentre au pays. Non, toi, tu n'es pas Congolais. Toi, tu n'es pas Congolais. Le Congo appartient à tout le monde. Évitons cet esprit discriminatoire, cet esprit mesquin, cet esprit enfermé, cet esprit d'enclos, englouti en soi.
La République démocratique du Congo, c'est le seul pays qui nous reste, c'est le seul pays nous légué par nos aïeux qui ont souffert, qui ont été maltraités, qui ont été réprimés, qui ont versé de leur sang pour qu'aujourd'hui la RDC puisse être appelée un pays souverain. Donc, évitons cette mesquinerie, ce petit esprit, d'esprit enfermé. Donc la RDC restera un et indivisible. Il n'y aura pas une république de Katanga, il n'y aura pas une république du Kasaï, il n'y aura pas une république du Congo central. Nous aurons une seule république, la République démocratique du Congo. J'espère que le chef de l'État, avec cette détermination, cet engagement qui veut la paix, avec cet engagement dans l'amour, le patriotisme qui l'anime pour faire de ce Congo un autre pays que nous avons connu jadis, on est là, accompagnons le chef de l'État, soutenons le chef de l'État avec amour, avec ce sens élevé du patriotisme. Avec l'amour de ces pays, l'amour de la République démocratique du Congo. S'il y a amour, s'il y a unité, le pays ira de l'avant. La République démocratique du Congo va se développer. Aujourd'hui, vous qui parlez que nous avons, c'est un pays potentiellement riche. C'est un pays rempli de richesses, sol, sous-sol. S'il y a l'amour, s'il y a l'unité entre nous, ces richesses sera désormais visible. Tout Congolais bénéficiera de cette richesse. Ayons justement l'essence du patriotisme, ayons cet amour, la République démocratique du Congo ira de l'avant. Ça, c'était le deuxième point. On a dit il y a tant de sujets, hein, tant de sujets vraiment à discuter, à échanger avec vous qui nous suivez de partout, à travers le monde, grâce à votre chaîne d'information en temps réel, Congo Live Télévision. Abordons ces points un an du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Un an du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Le gouvernement de l'Union Sacrée. Point de besoin même de vous rappeler comment ce gouvernement a été mis en place, tellement que vous connaissez déjà les événements qui se sont succédés. Félix Tshisekedi accède au pouvoir, confronté à ses problèmes de poids de la majorité parlementaire. Il était contraint de fonder un gouvernement avec. Tellement que le pays ne marche pas convenablement, ne marchait pas. Selon la volonté du chef de l'État, le chef de l'État a jugé bon de mettre fin à cette coalition FCC-CACH, estimant que le gouvernement qui prendra corps, le gouvernement qu'il mettra en place, sera le salut des Congolais. Les Congolais, leurs besoins, leurs désirs seront tant soit peu appliqué ou respecté par ce gouvernement dit de l'Union Sacrée. Le gouvernement a été composé avec à sa tête Jean-Michel Samalukonde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce gouvernement a réussi tant soit peu à répondre aux attentes des Congolaises et Congolais? Je dirais oui. Si j'ai dit oui, j'ai mes bases à la dernière déclaration du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Jean-Michel Samalukonde, lors de son entrevue ou son interview avec le déchaîné de la place, le Premier ministre a essayé de donner quelques secteurs de la vie nationale. Mais ensemble, Jean-Michel Samalukonde parle d'un bilan satisfaisant par rapport aux missions, aux objectifs
lui assignée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Sur le plan politique, Jean-Michel Sam Lukonde rassure davantage la population congolaise que la tenue des élections en 2023 n'est pas un mythe, mais une réalité. Le respect de la Constitution quant à l'organisation des élections n'est pas un mythe. Le gouvernement a pris cet engagement d'organiser bel et bien les élections en 2023. Plus question de dire n'importe quoi, plus question de raconter des histoires. L'argent est là. L'argent pour l'organisation des élections est là. L'argent pour les recensements de la population, pour que nous soyons dotés d'un fichier crédible, d'un fichier électoral digne de ce nom, où il n'y aura pas de doublons, il n'y aura pas des infiltrés. Jadis, 2006, 2011, 2018, on a crié haut et fort qu'il y avait cette question de doublons, cette question des étrangers qui possédaient des cartes de lecteurs. Aujourd'hui, avec le recensement, le gouvernement, avec à sa tête Jean-Michel Sam Lukonde, pense que les recensements, nous aurons les identités. Après, à l'époque des Zaïre, où on avait cette carte verte, mais nous aurons désormais une identité, une carte d'identité pour un Congolais à travers le recensement qui va s'effectuer à travers la République. Il y aura recensement, l'argent est là, les élections seront organisées grâce aux fonds, à l'impulsion ou au financement propre des Congolais. C'est notre propre argent. Nous allons organiser les élections comme l'affirme si haut le Premier ministre Jean-Michel Sam Lukonde. Donc il y aura élection en 2023. Il n'y aura pas glissement. Sam Lukonde a essayé de nous faire voir, de nous faire comprendre. Deuxièmement, sur le plan économique, nous avons quel budget aujourd'hui? Plus de 10 milliards comme budget. Quel chiffre de réserve de change? Plus de 3 milliards de dollars comme réserve de change. Insatisfait si pour le gouvernement de l'Union Sacrée qui a essayé de maximiser des recettes dans les différents régies financières, dans les différentes régies financières, DGRAD, DGRCA, DGI. Toutes ces structures, toutes ces régies financières ont maximisé des recettes. Aujourd'hui, notre budget est compté à plus de 10 milliards de dollars américains. Notre réserve d'échange qui, à l'époque, était en termes des millions, aujourd'hui, notre réserve d'échange est passée de millions à milliards, 3 milliards de dollars. Pourquoi pas aussi féliciter ce gouvernement qui, à l'aide du pilotage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Wabulumba, Félix Tshisekedi Tshilombo, j'ai cette mémoire de fait Étienne Tshisekedi Wabulumba. Là, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, comme je vous l'ai annoncé, cet engagement du gouvernement à organiser les élections. Sur le volet économique, il y a cette montée en puissance de notre budget et notre réserve d'échange. Sur le plan social, c'est là où les remet en poignière, comme l'est dit le français. Sur le plan social, le Premier ministre Jean-Michel Sam Lukonde déclare qu'il y a eu des avancées. Sur le plan social, on prend en compte les infrastructures de base. On prend en compte l'éducation. On prend en compte la santé. Avec la gratuité de l'enseignement, avec les infrastructures de base qui sont construites à travers le pays,
la santé, avec la structuration de prix. Donc Jean-Michel Sama le connaît en termes de santé, en termes du social. Le bilan est positif. Tellement qu'on parle toujours du social, des Congolaises et Congolais. Aujourd'hui, la majoration en termes de pourcentage, 30% de tous les fonctionnaires de l'État, ça entre dans l'actif de ces gouvernements pendant cette première année du gouvernement. Peut-on croire maintenant à ce que déclare Jean-Michel Sama le Condé, ou bien on peut douter par rapport à certains contextes, par rapport à certaines réalités vécues dans notre pays? Est-ce qu'on peut croire à cela? Est-ce qu'on peut douter? On peut penser autrement? C'est à vous, hein? C'est à vous qui nous suivez de partout, à travers le monde, ici à Kinshasa, 24 communes, à travers toutes les provinces, vous qui nous suivez, vous allez aussi commenter, est-ce que les réalités sur terrain, les chiffres du représentant légal du gouvernement qui est le Premier ministre, est-ce que ça vaut la peine de dire que le bilan est satisfaisant? Moi, je crois à ce gouvernement. Je crois qu'une année, c'est minime. Ça reste 2 ans. Donnons encore la chance. Ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, il y aura des actions meilleures que ce qui est en train d'être fait à ce net moment. Donc espérons que ces gouvernements feront en sorte que notre pays soit ici, notre pays soit davantage développé comme le souhaite plus d'un Congolais. Le dernier point qui est le dernier sujet à débattre avec vous, à discuter avec vous, il y a ces déferlements. Il y a ces différentes réactions dans le microcosme social et politique de notre pays après cette déclaration du chef de service de l'inspection générale des finances, l'IGF. Certains auraient dit qu'il se pose un problème de compétences. Est-ce Gilles Alinghetti était dans ses prérogatives de lever les dons, de donner la voix à ce qui concerne la sécurité de notre pays, à ce qui concerne les investisseurs de notre pays? Moi, je répondrai par oui ou non par rapport à ces faits. Dans les cadres du marché, lorsqu'on veut vendre un produit, on exhibe auprès de l'acheteur, on démontre auprès de l'acheteur les qualités du produit. On montre auprès de l'acheteur l'avantage, le pourquoi, l'intérêt, le bénéfice en achetant ces produits. Considérons la RDC comme un produit. Devant un acheteur potentiel, est-ce qu'il est permis, toi qui es vendeur, de tuer, de détruire le produit que tu mets en vente? Est-ce que c'est permis de combattre toi-même le produit que tu mets en vente? Est-ce qu'il y aura preneur à ce produit? Il n'y aura pas preneur.
Est-ce qu'il aura preneur? Il n'aura pas preneur. C'est le marketing, c'est la diplomatie. Est-ce que de façon formelle, on peut dire que la République démocratique du Congo est en guerre? J'y répondrai par non. Est-ce qu'il y a une guerre qui est déclarée de façon formelle en République démocratique du Congo? J'y répondrai par non. C'est-à-dire Gilles Aleguet, il n'a pas tort. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas guerre en République démocratique du Congo, il n'y a pas guerre. Il y a des groupes armés, des conflits, des groupes armés négatifs qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Des groupes armés locaux. Et étrangers, des surcroît. Gilles Aleguet dit, a tort ou il a raison? Lorsqu'il prend le pays, comme j'ai dit, un titre exemplatif, le pays comme un produit auquel on vend devant un preneur. Quel sera votre argumentaire? Donc, nul n'est besoin, nul n'est question d'incriminer davantage, d'indexer davantage. Aujourd'hui, on a besoin des investisseurs dans notre pays. On a besoin que le jeune trouve d'emploi. Il y aura d'emploi si chacun dans son secteur respectif fait la promotion de cette république. Là, il y aura preneur. Donc ça ne sert à rien de qualifier Gilles Aleguet, il est un traître. Ça ne sert à rien de qualifier Gilles Aleguet, il est un diable. Ça ne sert à rien de qualifier Gilles Aleguet, il est un incompétent. Prenons ça au sérieux. Il ne faut pas s'emporter par émotion pour raconter des bouillardaises. On est RDC, c'est notre seul pays, c'est notre seul État, c'est notre seule nation. Nous devons protéger ce pays, sécuriser ce pays. J'espère que la République démocratique du Congo a tant de problèmes que seul le chef de l'État ne peut pas résoudre ce problème. Nous tous, là où nous sommes, à l'étranger, là où vous nous suivez, faisons de sorte que lorsqu'on parle de la RDC, qu'on ne voit pas toujours de côté négatif, lorsqu'on parle de la RDC, démontrer à la face du monde des côtés positifs, il ne faut pas peindre toujours un tableau sombre, un tableau noir de la République démocratique du Congo. Avec Dieu, nous vaincrons, avec amour, avec détermination, avec patriotisme, la République démocratique du Congo se développera, va se développer comme nous le souhaitons, comme nous espérons. Mesdames et messieurs, c'était là votre espace d'échange, votre espace de partage sur les questions brillantes, les questions qui taraudent les esprits des Congolais, les questions qui défrayent la chronique de notre pays. Vous êtes libre aussi de commenter, de donner votre point de vue par rapport à tous ces différents sujets qui suscitent réaction. Donc tu ne peux pas rester comme ça sans pour autant émettre ton point de vue par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cet espace, à ces cadres d'échange, que j'ai eu le réel plaisir de partager ce temps avec vous. J'espère que vous allez aussi laisser des commentaires. Une émission réalisée par Joe Mukenga. Merci beaucoup pour votre sympathique attention et bonne évasion sur Congo Live Télévision. Au revoir. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова